Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Stevie Boulet, Isabelle Motreau, Christophe Alévèque et Elsa Fayère. Je vous sens grognon. Oui, ronchon. Ouais, t'as raison. Oui, t'es ronchon aujourd'hui. Hein. Ben, je suis décalée. Ah. Je suis décalée parce que j'arrive de la Guadeloupe, l'avion avait du retard. Qu'est-ce que vous faisiez en Guadeloupe? Un colloque sur les vieux. J'ai voyagé sur une petite compagnie, très tranquille. J'étais en business sur un lit, mais carrément, il y avait la couverture et la petite serviette de bain. Quand tu voyages en avion, t'as pas peur que t'aies ça éclate? Non. Alors, j'ai fait le test, figurez-vous, mon cher Christophe Alévèque, ça tient très bien. La seule chose, c'est que quand je suis dans l'eau, je n'ai pas besoin de bouée. Ça flotte. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Tu t'es refaire faire les seins. Oh là là, Stevie, t'as toujours trois wagons de retard. Quand tu t'es fait refaire les seins. Alors, Claude. On en parlera plus tard. Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Jack Lang et François Hollande qui s'inquiètent pour le résultat du référendum sur la Constitution du 29 mai prochain. Et pour peser dans la balance, on a appris donc ce matin que Jack et Monique Lang avaient fait appel hier à des artistes et des intellectuels pour soutenir le « oui ». Parmi ces noms célèbres, Alain Decaux, Philippe Torreton, Robert Hossein, qu'on voit là, mais aussi Régine Deforge, Bernard-Henri Lévy, Yves Simon, Sylvia Nagasinski, Pedro Almodovar, Enkil Bilal, Piccoli, Jeanne Moreau. Bon, comme le titre L'Humanité ce matin, ça nous fait un comité pour le oui, sans grande surprise en même temps. C'est sûr que si dans le camp du oui, on avait fait appel à Douchka, Jean-Pierre Castaldi, Sylvain Mirouf et Marlène, ça nous aurait fait trembler dans le camp du non, franchement. C'est vrai. Ça aurait été autre chose. On n'est pas dans la liste, hein, Christophe. Non, mon téléphone n'a pas sonné, c'est bizarre. Mais ils vous ont pas appelé pour le oui. C'est même nom qu'il y avait pour le comité de soutien à Jospin. C'est vrai, exactement. Je vous laisse deviner la suite. Non, mais c'est vrai, même Kerry aux États-Unis, il avait un comité de soutien incroyable. Toutes les stars étaient pour Kerry, il a perdu, donc ça veut rien dire. Il n'y a que toi qui as un joli comité de soutien. En attendant, si on en juge par cette photo publiée par Le Parisien ce matin, Philippe de Villiers, lui, hésite entre gagner les doigts dans le nez et se foutre le doigt dans l'œil. Hein, c'est juste là. Le président du Mouvement pour la France a en fait décidé de porter plainte, il nous le dit, auprès du Conseil constitutionnel parce que, a-t-il remarqué, chaque électeur va recevoir bientôt, outre le texte de la Constitution, ça c'est normal, 12 pages supplémentaires que lui, de Villiers, considère comme de la propagande en faveur du oui. Il faut dire que de Villiers a la trouille. En effet, s'il y a des halbardiers polonais, des écuyers hongrois et des artificiers laitons qui viennent prendre le job des bénévoles vendéens, ça va compromettre son spectacle du Puy du Fou. En fait, M. Philippe Lejoly de Villiers de Saint-Ignon, il est pour le nom, mais le nom à rallonge, lui surtout. Les Français, en tout cas, trancheront le 29 mai prochain. Et pour résumer, en gros, cette année, pour la fête des mères, puisque ce sera la fête des mères, eh bien, on aura le choix entre un aspirateur qui fait non et le fer à repasser qui dit oui. Autre photo, celle des prévenus présents hier pour l'ouverture du procès des marchés publics truqués d'Île-de-France. Ils étaient tous là, titre le journal Le Parisien ce matin. Les proches de Chirac à la barre, ose même titrer le journal Métro. Seul absent, Guy Drut, poursuivi pour un emploi fictif. Mais bon, il n'est pas venu. Il peut bien sauter un procès. À la limite, s'il vient un jour, lui, ce sera au tribunal de la haie. Michel Roussin, en tout cas, Michel Giraud, Louise-Yvonne Cassetta et Gérard Payberne étaient au palais de justice de Paris hier. Et franchement, il y a longtemps que la salle des pas perdus aurait dû être baptisée la salle des baffes qui se perdent. Oh. Vandel. Non, c'est pas réjouissant cette histoire. Parce que ce qui est marrant dans les procès. Ça, c'est encore bon pour le camp du non. Exactement, c'est quand il y a les bons, il y a les méchants. Mais là, il y a à la fois de la gauche, de la droite, on dit tous pourris, ils ont tous touché, il reste qui en face? Il reste le Front National. Claude? Ah oui, tout à fait d'accord avec lui. Je t'aime, je t'embrasse. Non, mais c'est...
Allez, on passe des pots de vin à la journée mondiale de l'eau, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Ah bah une ouais. denrée rare, de plus en plus mal répartie, nous rappelle François ce matin. Mais la mairie de Paris a, elle, préféré rappeler que l'eau du robinet de la capitale était bel et bien potable. Et à cette occasion, la mairie de Paris offre 30 000 carafes à ceux qui viendront goûter l'eau de Paris sur le parvis de l'hôtel de ville aujourd'hui. Je tiens quand même à dire qu'une contre-manifestation est organisée par Gérard Depardieu, Christine Bravo et Christophe Alévèque entre Château Rouge et rue de la Pompe. Je voudrais montrer ce qu'a envoyé à la presse ce matin l'organisation Action contre la faim pour cette journée mondiale de l'eau. Agissez avec nous. Alors, c'est probant parce que regardez, il nous montre l'eau de lavage de notre voiture, nous, pays favorisés, et à côté, l'eau qui est bue en Somalie, en Afghanistan. Cette eau, évidemment, source de maladies favorisant la malnutrition. Voilà, on lave nos bagnoles avec cette eau propre et là-bas, en Afrique, ils boivent cette eau-là. Je trouve que c'est une très belle idée qu'ils ont eue de montrer les deux eaux côte à côte. Voilà. Je vous signale que dans nos pays occidentaux, on a quand même privatisé l'eau. On ne va pas tarder à privatiser l'air si ça continue. C'est inscrit dans la Constitution européenne, d'ailleurs. Oh, oh, oh. Ah non, mais vraiment, il m'énerve. Mais c'est pour ça que je le fais, c'est pour t'énerver. Au début, j'étais... Parce qu'avec Claude, on a fait un club. Au début, j'étais le club de ceux qui t'emmerdent. Autre photo. Celle des skis français Rossignol, premier fabricant mondial de skis, racheté par une entreprise américaine. Et oui, bientôt les skis Rossignol vont peut-être s'appeler skis Woody Woodpecker. Et il ne faudra pas s'étonner. Les skis deviennent américains, certaines pistes sont déjà louées par des Coréens et la neige est souvent colombienne. Franchement, il est temps qu'on fasse l'Europe. Claude, vous êtes une bonne skieuse. J'étais formidable. C'est vrai? Très lente. Mais je tournais parfaitement. Allez, une autre photo, celle d'une marque de bandes de cire dépilatoire pour hommes, puisque d'après Le Figaro ce matin, une étude Ipsos réalisée en janvier dernier en France, eh bien d'après cette étude, près d'un homme sur cinq s'épile chez nous. Encore un sondage qui va diviser François Hollande dans le camp du oui et Henri Emmanueli dans le camp du non. Et alors, chez les femmes, j'ai lu l'article du Figaro, ça je connaissais pas non plus du tout. Le ticket de métro, ça je connais. Ah mais c'est super à la mode. Ah, les femmes maintenant s'épilent au niveau du pubis en forme de ticket de métro. Mais oui, exactement. Mais oui, mais ça s'appelle le ticket de métro. Elle laisse, ça. C'est à cause des strings. Juste la place pour composter. Il y a des colorations aussi. C'est la carte orange. Direction le Salon du Livre maintenant, où Amélie Nothomb continue à attirer les foules. Il y a tellement de monde et elle est tellement obligée de rester longtemps sur place qu'elle ne vient pas sans son pot de chambre qu'elle met discrètement sur sa tête. Amélie Nothomb, c'est la fille cachée que Bob Dylan a eue avec Madame de Fontenay. Franchement, le jour où quelqu'un écrira une aventure de Harry Potter tentant de retrouver le Dabibi Code pour lui enlever son chapeau à Amélie, je vous dis pas le best-seller que ça fera. Hein. Allez, on termine avec la une de France Soir. Ça méritait bien la une. Jean-Pierre Castaldi, le cri de colère de sa sœur. Je ne peux pas supporter quand j'entends dire qu'il est faillot, dit sa sœur. Bon, alors en même temps, on n'est pas sûr que ce soit sa sœur à Castaldi. Hein. C'est peut-être comme pour Aurore Drossard avec Yves Montand, juste une ressemblance. Peut-être même que c'est Jean-Pierre Castaldi lui-même qui s'est foutu une perruque blonde sur la tête pour plaider sa propre cause. En tout cas, Castaldi est revenu de Guyane très, très fatigué. Il ne pouvait même plus marcher que sur une jambe, il paraît. Alors, vous savez comment il l'appelle maintenant, son fils ? Le flamant rose ? Non, Flappy Flamand. Et pourquoi elle prend sa défense ? En fait, elle dit il n'est pas faillot. Quand on lui dit quelque chose, il obéit, elle raconte toute l'histoire. Les parents ont vécu dans la cordillère des Andes. On les a placés en pension, lui et sa sœur. Une pension anglaise, très très revêche. Strict, par exemple, 8 x 8. Il ne trouve pas 64, il a 64 coups de bâton à 5 ans sur les doigts. C'est un truc horrible. Donc, ils n'avaient qu'un objectif, c'est d'obéir à tout. Donc, elle dit il n'est pas faillot, il a juste été formé comme ça. Mais c'était horrible de raconter tout ça. Elle-même racontait qu'elle faisait pipi au lit. Ça devient une indécence, c'est terrible la télé-réalité. Ah, mais attends, c'est tout sur la famille Castaldi, Montand, c'est génial. Génial. Moi, je ne pouvais pas en avoir assez.
Il y a un an, le chanteur Camaro était encore inconnu en France. Aujourd'hui, c'est une star, et notamment grâce à son fameux tube « Femme Like You », titre pour lequel il a été récompensé aux Energy Music Awards en janvier dernier. Son album « La Good Life », sorti l'année dernière, est déjà double disque d'or. Et le 1er mars dernier, il a sorti deux nouveaux singles « Sous l'œil de l'ange » et « Qu'est-ce que ça te fout ?». Camaro a 25 ans, il vit à Montréal depuis ses 11 ans. Et pour voir ce que ça donne un rappeur qui crie sa rage contre la société en disant « Tabernacle », nous allons recevoir tout de suite la nouvelle idole du R&B français, Camaro. Bonjour, bienvenue. Alors, c'est vrai que votre enfance est passée sous, on va dire, le jour de deux cultures. La culture francophone de votre passé au Liban jusqu'à l'âge de 11 ans avec vos parents. Et ensuite, la culture plus américaine, celle que vous avez connue au Canada, donc. Absolument. Il y a deux nouveaux singles. Ils se retrouvent... en fait, c'est un single avec deux titres. Sous l'œil de l'ange, qu'est-ce que ça te fout? Extrait de l'album La Good Life. D'ailleurs, c'est un hommage à Sacha Distel. C'est quoi? Oh, La Good Life. Non, ouais, non, c'est une expression bien de chez nous qui symbolise un petit peu le, voilà, un petit peu la réussite, un petit peu le rêve américain. Voilà, voilà. Extrait en tout cas des deux nouvelles chansons issues de l'album. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai su rester fort. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire qu'ils n'ont rien vu encore. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai trouvé la paix. Sous l'œil de l'ange, je suis pardonné. J'ai su le chanter. Qu'est-ce que ça te fout ce que je suis? Et qu'est-ce que ça te fout ce que je dis? Et qu'est-ce que ça te fout ce que je fais? Puisqu'on parle de moi pour parler, personne ne me demande si c'est vrai. Qu'est-ce que ça te fout et sous l'œil de l'ange? Deux nouveaux titres, extrait de l'album La Good Life. Elsa Fayer a passé un petit moment avec vous, c'était hier, je crois. C'était Elsa. Hier, absolument. Racontez-nous. Je suis allée rejoindre dans un studio d'enregistrement. Vous n'étiez pas trop au courant que j'allais débarquer. Moi, il en avait, mais alors rien n'affiche de moi. Je suis rentrée dans le studio, il était super concentré. Enfin, une femme like elle. Ah non, mais alors, il a à peine levé la tête, donc au bout d'un moment, je me suis un petit peu énervée. Il était très concentré, il était en train de réaliser un single. Ah oui, là, on sait tout, j'en pouvais plus. Donc voilà, rien n'affiche. Vous faisiez quoi, là, en fait? Vous étiez en train de faire quoi? En fait, je préparais un titre pour une autre artiste qui s'appelle Lincha, donc je produisais un titre pour elle et je devais être très, très, très méticuleux. Parce que c'était un titre en anglais et que c'est une française, donc j'étais assez concentré. Vous étiez en train de surveiller son accent. Sur la prononciation, et c'est vrai que vous n'avez pas choisi un titre facile, donc on va découvrir Lincha. Alors ils ont décidé de reprendre I'm Real, un titre de Jennifer Lopez qui a été un de ses grands succès. Alors c'est vrai que Lincha parle pas super bien l'anglais, et alors la moindre petite chose, il est méticuleux, il est perfectionniste, il est pointilleux. Il est chiant, quoi. Ouais, faut le dire, limite chiant. Mais en tout cas, c'est pour un bon résultat. Alors, moi, je vous ai découvert en pleine séance de travail et j'imaginais pas que vous travailliez avec autant de précision, que vous étiez derrière tout. Comme ça, j'ai vraiment découvert un vrai chef d'entreprise. Alors, vous avez fait une prise de son quand même aussi. Ça a duré combien de temps à peu près, la pose de voix? En tout, on a passé... Non, vous, votre partie. Ah, ça a dû durer... Mais si, c'est pour qu'ils le disent. Ça a dû durer 2 minutes. Voilà, donc 2 minutes et Lincha, 2h30. Ouais. Vive la France. Et c'est vrai que vous êtes un homme d'affaires, elle le dit. Et ça, je crois que vous possédez... vous avez des parts dans un restaurant aussi. Votre propre marque de vêtements, je crois. Ouais. Absolument. Et de bijouterie aussi, non? Pas encore, mais ça arrive l'année prochaine. Donc la montre... c'est du vrai. Oh là 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 là. Et si je peux me permettre, il y a un truc qui est très sympa en studio d'enregistrement, c'est qu'ils ont un vrai langage à eux. À un moment, vous interpellez Lincha et vous lui dites « Non, là, le mot est en trop, là, ton layback, ça va pas s'entendre dans le doubling et le tripling, on va le puncher. » Moi, je vous dis, franchement, j'étais larguée, mais j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Le quoi? Le layback? Ton layback. Layback, c'est quoi? Alors, le layback, c'est plus une attitude de chanteuse, c'est le fait d'être tout légèrement en retard quand tu interprètes un morceau qui donne ce côté soul qui fait que tu n'es pas complètement carré de façon trop pop, quoi. Tu as ce petit léger retard. Vous êtes un peu en laid back là, Claude, non? Non, t'as raison, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Mais vous avez écouté quand même l'album, ah oui, de Camaro. Mais tu sais ce que j'aime chez toi? Tu dis, c'est affranchi. Moi, pour moi, le disque m'a plu, alors ça veut dire que s'il m'a plu à moi, ça va marcher le tonnerre. Il est pop, il est il marche déjà du tonnerre, je vais vous dire. Ah bon? Ah oui. Isabelle Motreau.
Bon, alors, moi, c'est pas ma cam, comme on dit, votre musique. Moi, ce qui me plaît plus chez vous, c'est votre personnage. Parce que je n'arrive pas à croire une seconde à tout ce que j'ai lu dans les interviews et tout ça. J'ai l'impression d'être devant un acteur qui cisèle son image comme ça. Ça me fait penser aux Affranchis de Scorsese, ça me fait penser à Scarface. Et moi, je pense que vous n'êtes pas du tout le personnage que vous vendez aux médias. Le côté boss comme ça, un peu pas mafieux, mais ça tire un peu vers ça. Genre, je tiens mes équipes, j'ai toujours été attiré vers ça. J'ai toujours été attiré vers l'époque gangster new-yorkaise, ouais. Et tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu le... C'est ma façon de convaincre quand je dois diriger des équipes dont les gens sont beaucoup plus âgés que moi, en fait. Donc c'est bien ce que je pense, vous frimez un peu quand même. Vous êtes il y a toujours peu... de la frime, un petit peu, ça. Vandel, j'ai vu deux interviews de vous. Un magazine plutôt féminin, un magazine plutôt masculin. Alors le féminin, c'est Starlook. Et vous parlez de la chanson My Lady et vous dites « Un homme doit être capable de parler de ses sentiments. Cette chanson décrit l'homme amoureux que j'aimerais être. » Chose que les filles aimeraient bien lire. Et puis dans R&B, qui est plutôt masculin, vous dites « Je n'ai pas honte de dire que j'ai pas besoin de mes putains de lyrics pour vivre, que ce soit clair, qu'on vienne pas me casser les couilles en disant que je fais un hold-up avec cet album avant de disparaître. » Donc on a vu que c'était ciblé quand même ce que vous racontez. Ah ben ça c'est parce que c'est peut-être pas non plus comment je l'ai dit ou ce que j'ai raconté. C'est un petit peu le côté cool de la job d'un journaliste, de pouvoir prendre la même phrase que tu dis à Entrevue ou que tu dis à Cool ou à Star Club et s'arranger pour que dans Entrevue, tu passes pour un bandit de la rue qui ne sait pas parler, qui n'a pas d'éducation et que pour Star Club, comme par hasard, parce que ta clientèle est jeune et toute innocente et sympathique, ils réécrivent ça de façon un petit peu plus... C'est pas laquelle la vraie phrase alors ? C'est pas vous qui avez dit ça. Les deux phrases sont réelles, mais je n'ai pas dit « je n'ai pas besoin de mes putains de lyrics pour vivre », etc., etc. Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que ceux qui me critiquent en disant « Camaro, il est venu un été, il a fait un gros il prend son pognon et il s'en va. Je n'ai pas besoin de ce pognon-là aujourd'hui, c'est vrai. J'ai assuré ma vie ailleurs. Je le fais pour le plaisir de le faire. Mais il n'y avait pas de putain, il n'y avait pas de lyrics, il n'y avait pas de... Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit le mot lyrics, d'ailleurs. Ça m'étonnerait que je l'ai ressorti comme ça. Christophe Alévèque. C'est vrai que dans show business, il y a business. Et il ne faut pas l'oublier. Et bon, vous ne l'oubliez pas. Hein. Et c'est vrai que quand on écoute l'album, on ne l'oublie pas non plus. Arriver quand même à faire de la pub pour sa ligne de vêtements dans une des chansons, moi je dis chapeau. Tu vois, t'écoutes le morceau et tout d'un coup, une page de pub. Là, bon, moi personnellement, j'aime pas trop. Et vous faites aussi, alors ça c'est vraiment c'est l'apologie du travail, j'en parlais aussi beaucoup dans l'album, et vous prenez aussi une phrase moi, qui me sidère. Il faut se rappeler quelque chose, c'est que tu as 24 heures dans une journée, si tu travailles 20 heures et que tu dors 4 heures, tu as le temps de faire plein de choses. On dirait du raffarin. Travailler comme ça, et pourquoi travailler autant, gagner autant d'argent, si finalement, au bout de la journée, on n'a pas le temps de dépenser? C'est même pas, c'est pas pour le dépenser. C'est, travailler, pour moi, c'est carrément, ça a l'air cliché, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une passion pour moi de prendre du temps qui ne paye pas plus d'argent. Contrôler ce que mon manager ferait, j'ai des gens qui, commission accomplie, vont là, finir... Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une pure passion de pouvoir sentir que je collabore à tous les niveaux, à pouvoir être chez moi, voir mon clip, voir mes ventes, voir les gens qui m'aiment, aller dans les salles pleines, et que j'ai mis un petit peu mon grain de sel dans tout ça, et que j'ai contrôlé un peu tout ça. Et ça demande énormément de temps. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Vous le dépensez à quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Pour plein de choses, des choses importantes et des choses moins importantes. Mais aller, quoi? Faire des fondations pour des enfants de la guerre, que je me considère comme un enfant de la guerre, donc je me dois aujourd'hui au Liban, en Afghanistan, en Irak. Vous suivez l'actualité au Liban? Absolument, absolument. Absolument, et ça me fait un peu mal au cœur parce que personne ne sait exactement comment cette histoire va tourner. Les Syriens étaient quand même un pilier au Liban, que ce soit pour ou contre, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais le fait qu'ils se retirent, est-ce que le Liban va pouvoir se débrouiller tout seul? En 30 ans, encore une fois, il y a des enfants qui payent. Donc voilà, c'est une des choses que je fais avec mon argent, c'est justement de participer un peu pour que ces enfants-là aient de quoi être un petit peu bien, qu'ils aient un petit peu de good life aussi. Et les tatouages? Vous en êtes où de ce fameux tatouage? Une fresque qui doit prendre 10 mois et un an, ou entre 10 mois et un an. Je suis supposé commencer en janvier prochain. Ouais. En janvier prochain, ouais. Vous commencez. Toute une fresque dans votre dos? Oui, c'est... Mais t'es cinglé, quand tu vas vieillir, ça va pendre, ça va ressembler à rien. Ben non. Oh, c'est bien pour les filles, comme ça elles peuvent passer du temps à regarder le dos. Camaro, t'as un joli dos. Alors ça, c'était quand? Et ça, c'est demain. Allez, Camaro, La Good Life, c'est l'album. Il est venu nous présenter deux nouveaux titres, Sous l'œil de l'ange et Qu'est-ce que ça te fout. Il connaît actuellement un vrai gros succès, en attendant peut-être pour bientôt une carrière internationale et un album en anglais. Absolument, oui, probablement pour l'année prochaine. Eh bien, on vous le souhaite. Camaro, merci. Merci beaucoup. Ciao.
La semaine dernière, vous avez peut-être lu dans France Soir que deux jeunes architectes avaient présenté pour leur diplôme de fin d'études le projet, un peu fou peut-être, de faire un circuit de Formule 1 dans les rues de Paris. C'était pas une blague, ils étaient très sérieux, d'autant que l'idée avait déjà été émise en 1982 par le maire de l'époque, monsieur Jacques Chirac, qui ensuite avait abandonné le projet. Peut-être parce qu'il avait peur, monsieur Chirac, d'être dérangé par les bruits des voitures quand il se baignerait dans la Seine en l'an 2000, comme il l'avait promis. Un grand prix de F1 dans Paris, est-ce possible? En tout cas, l'idée est séduisante, ne serait-ce que parce que ça emmerderait les verts de la mairie, diront certains. Et avant de recevoir les deux architectes en question, qui ont ce projet un peu fou quand même, reconnaissons-le, Dan Bolander a voulu voir ce qu'on en pensait dans Paris, toujours en position et même en pole position pour tester les Parisiens et les Français. Dan Bolander a testé pour nous un grand prix de Formule 1 à Paris. Regardez cette caméra cachée, signée Julien Héron. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé organiser un grand prix de Formule 1 à Paris. Bonjour madame. Il va y avoir en fait un grand prix de Formule 1 à Paris. C'est pour la première fois. Ouais. Et en fait, il va passer par là. Donc là, nous faisons simplement des tests de faisabilité. Ça date de quand, cette histoire? Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Donc en principe, c'est prévu pour l'automne prochain. J'ai juste un test sonore à faire. C'est à peu près ce que vous allez entendre. Ce que nous avons besoin par rapport aux commerçants, c'est d'installer un stand dans plusieurs boutiques. Ah non, c'est pas possible. Attendez, qu'est-ce que vous voulez mettre une voiture là-dedans ou... On va mettre tout ce qu'il faut, l'essence, l'huile, vous voyez, les pneus. Ça a pu, ça, en plus. Tu te rends compte, pour le pain ou quoi que ce soit, c'est catastrophique. Les voitures vont s'arrêter ici. Se ravitailler, on change les roues, un peu de carburant, et puis hop, elle repart. Durant toute la journée, et j'ai perdu en journée de travail. Oui, enfin un peu plus, parce qu'il y a une semaine d'essai auparavant, puis les travaux, parce qu'il va falloir casser la vitre, démonter tout ça, évidemment. Alors ça, c'est ce que vous allez entendre. Donc pour le Grand Prix, il n'y a pas de problème? Non, j'ai dit non. Non mais monsieur, imaginez Schumacher qui vient chez mais vous. Mais qu'est-ce qu'il met la porte, Schumacher? Il va changer ses pneus. Ça me fait la belle jambe. Schumacher change les pneus ici. Le département de psychiatrie, il est où, merde? Bonjour madame. Excusez-moi, nous faisons des petits essais de son. Ce que vous avez entendu, en fait, c'est le bruit d'une Formule 1. Ouh là là, heureusement qu'il n'y en a pas à Paris. Hein. Bah si, justement, il y aura prochainement le Grand Prix de Formule 1. Pourquoi vous faites une chose pareille dans Paris? En fait, c'est invraisemblable. Le mieux, madame, c'est de prendre des précautions par rapport au Grand Prix, c'est-à-dire de tenter de murer, en fait, la fenêtre. Vous vous rendez pas compte, pendant une semaine, on peut même plus voir clair chez nous? On ne va pas murer toute la rue parce que vous allez passer en Formule 1. Vous me racontez un film d'horreur. Je vais écrire au maire, monsieur Delannoy, que je connais bien, oui. Et ça m'étonnerait puisqu'on fait des tas de choses contre trop de voitures à Paris, qu'on fasse le prix de Formule 1 dans Paris. Enfin, non, c'est bien c'est fou. Insensé. Un test sur place, rue Saint-Dominique. C'est rive gauche, la rue Saint-Dominique à Paris. Ce Grand Prix, si un jour il avait lieu, passerait sur les Champs-Élysées, partirait de l'Arc de Triomphe, il irait rive gauche. Rue Saint-Dominique est une rue assez étroite, donc on est allé là-bas pour voir exactement comment les riverains réagiraient. Et on va évidemment demander la réaction aussi de ceux qui ont ce projet. Moi, je suis pour, ça me fait marrer, autant vous dire. Mais je suis certain, évidemment, que d'autres vont être contre sur ce plateau. Accueillons les deux architectes qui ont relancé cette idée de faire un circuit de F1 à Paris, monsieur Aimé Issa NTP et Lior Marom. Bonsoir et bienvenue. Ah, vous avez du boulot, hein, les deux garçons. Bon, il faut dire qu'au départ, c'est quand même pour votre cycle d'études que vous avez décidé d'étudier ce projet. 6 années d'architecture, c'est bien ça? Exactement ça. Et vous devez soutenir un projet devant un jury? C'est ça. Oui, oui. C'est fait ou cette affaire? C'est fait. C'est fait. Et comment a réagi le jury? Il était très content. Hein. Oui. Très content. Applaudissements, même. Ouais, hein, si. Vous avez vu que là, on était rue Saint-Dominique. Ouais, hein. C'est une des rues que vous avez prévues pour le parcours. Ils sont contents. Ils sont contents. Très contents. C'est exactement comme on l'a imaginé, en fait. Et là, Et alors, merci. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens-là, alors, par exemple, si jamais le projet devait se faire un jour? Qu'ils ont tort d'être contre. Ah. Parce que quand ils sauront qu'ils pourront louer leur balcon 20 000 euros par jour, par personne, et qui pourront partir en week-end. Juste un mot, Juste un mot, la dame du rez-de-chaussée, elle va pas louer son balcon. La dame du rez-de-chaussée, elle va se fermer. Ouais, la pauvre, j'avoue que la pour elle.
Elsa. Moi, j'adore. Ah, j'adore ce projet. C'est fou. C'est fou. Mais non, on va bien s'amuser. Franchement, j'aimerais bien que ça se passe. J'adore les grands événements. J'adore quand Paris swing un peu, qu'il y a un peu de vitesse, qu'il se passe enfin quelque chose. La dernière fois qu'on était dans les rues de Paris, c'était quand on a gagné la Coupe du Monde. Bah, vivement qu'il se passe encore autre chose à Paris et que ça devienne une capitale festive où il se passe des trucs, où il y a du tourisme. Ils vont être contents, les vélos. Hein. Ah, moi, je suis pour à 150%. Isabelle. Non, non, moi, je suis absolument contre. Au début, je pensais que c'était un truc de 1er avril. Je me suis dit, ah, c'est bien, parce qu'ils s'y prennent un peu tôt. C'est et puis après, j'ai vu que c'était vrai, ça semblait vrai. Alors, je me dis qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être faire un aéroport, même. Hein, on ferait un aéroport au bout des Champs-Élysées, Place de l'Étoile, pour acheminer les mecs qui vont conduire les voitures, tant qu'on y est. Il faudrait peut-être aussi murer... comme la rue Saint-Dominique, par exemple. Si on faisait un plafond sur la rue Saint-Dominique, on ferait un grand tunnel, on pourrait aller beaucoup plus vite. Ça serait pas mal, ça. Mais il y a le tunnel de l'Alma, quand même, qui est... Oui. Bah, c'est pas mal pour l'événement. Ah oui, non. Mais moi, je suis absolument contre ça. C'est super polluant, ça fait un bruit d'enfer. Oh, bon, non, tu penses... Mais la circulation, il y a 22 voitures. On laissera un couloir pour les vélos sur le côté. Vous avez prévu ça dans votre projet. Non, c'est pas des stands d'oxygène. C'est n'importe quoi. Christophe Alévèque. Oui, fallait oser. Moi, ça me fait vraiment marrer, vraiment. À notre époque où la voiture, quand même, et l'automobiliste sont considérés pratiquement comme des criminels responsables de tous les maux de la société, pondre ça, je trouve ça, mais alors vraiment, mais moi, ça me fait marrer. J'aurais voulu être une mouche pour voir la tête des Khmers verts de la mairie de Paris dans leur bureau quand ils ont vu le projet. Je pense qu'il y en a deux, trois qui sont tombés dans les pommes, ça nous fait du débarras. Eux qui veulent transformer les quais de Seine quand même pour les piétons et puis ces sortes de gens très sympathiques en roller et en patinette. Mais de sous-marreurs dessus avec du boucan, de l'essence, du... Mais si je trouve ça... Moi, je vous donne personnellement le premier prix de la provocation de la ville de Paris. Merci. Et si vous arrivez à les convaincre, je jure ici devant tout le monde de faire le tour du circuit à poil avec une plume dans le cul... Et un panneau, votez oui à la Constitution européenne. Vandel, vous êtes intéressé en tout cas au projet. Oui, parce que bon, ça, d'accord, c'est la blague, ça va pas être l'an prochain. Mais en même temps, ce sont des vrais étudiants sérieux. C'était le bilan de 6 ans d'études. Et le jour où ils ont fait leur présentation de fin d'études, cette présentation est publique. Ouais. Qu'ai-je fait ? Et vous y êtes allé. Voilà. Et vous allez voir où ça se passait. C'était vendredi à l'école spéciale d'architecture. La voici. Les visiteurs ressemblent pas vraiment à des journalistes auto. C'est charmant, elles sont charmantes. Et à l'intérieur de l'amphi, on diffuse des images de Formule 1, histoire de se mettre dans l'ambiance. Mais la mauvaise nouvelle pour la télé, on n'y voit rien. Impossible de filmer. Donc je suis passé en mode infrarouge, comme dans les documentaires animaliers, sauf que les biches convergent non pas autour du point d'eau, mais vers les mâles dominants, c'est-à-dire Lior et Aimé. Alors il fait noir à cause des présentations vidéo, comme cette simulation rue Saint-Dominique, regarde le piéton. Ben oui, parce que ça passait comme ça. Là, c'est le jury, c'est pas la Starac, c'est les vrais membres du jury. La présentation dure plus d'une heure. Pour mieux voir, il y en a même qui sont montés sur des chaises. Et on aura même droit au coup de la panne informatique avec le PC qui plante, c'est un classique. À la sortie, des sourires, oui mademoiselle. La salle va se vider pour laisser le jury délibérer, vous avez votre diplôme. Et alors on est vraiment loin de l'architecture à l'ancienne. Il y a même un fan avec la casquette de Schumacher qui va réclamer soit des autographes, soit du champagne. Bravo. Bah en tout cas, grâce à ça... Merci Philippe. Grâce à ce canular, allez, peut-être un jour, qui sait... On va bien attendre 10 ans hein, pour ça à peu près. Hein. Ouais. On est patient. Voilà, on est patient. Vous faites preuve d'humour en tout cas grâce à cette idée un peu farfelue, mais qui sait ? Qui sait un jour ? En tout cas, vous avez le soutien de quelques-uns d'entre nous. Ah, vous voyez. Pas tous. Hein. Pas je suis contre. Hein. Pas tous. Je suis contre. Vous voulez pas que ce soit, je sais pas, en Allemagne qu'on fasse un grand prix dans le centre de Berlin, par exemple. Je sais pas, voilà, faites un grand prix de Paris à Berlin ou à Londres. Voilà. Ce sera leur prochain projet. On va les remercier tous les deux. Eleïssa NTP et Lior Marom. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant accueillir Marthe Mercadier, la très populaire comédienne de théâtre.
mais aussi de publicité, puisque, souvenez-vous, on n'a jamais trouvé quelqu'un d'aussi bien pour vanter les mérites d'une eau de Javel. La semaine dernière, Marthe a sorti son autobiographie intitulée « Le rire est mon refuge ». C'est publié aux éditions numéro 1. Et en plus, depuis le 27 janvier dernier, elle est sur la scène de Bobino dans Tout bascule, une pièce écrite et mise en scène par Olivier Lejeune, qui la joue aussi. Alors, pour tester ensemble ce livre, « Le rire est mon refuge » et « Tout bascule », voici Marthe Mercadier. Bonsoir. Aux éditions numéro 1, Le rire est mon refuge. Ça y est, vous avez décidé de publier, on peut dire, vos mémoires ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas de mémoire. Là. Alors, tous ces souvenirs, comment vous avez fait pour vous en rappeler ? Vous avez pris des notes tout au long de votre vie ou vous avez fait un entretien avec un journaliste ? Comment ça s'est passé ? Non. C'est une descente aux enfers. En fait, c'est intéressant à faire. C'est le recul, on se retourne et on fait, oh là là, déjà 76 ans. Et demi, comme les enfants. Oui, c'est important. Et déjà 76 ans, je vais peut-être communiquer ce qui a été mon équilibre, en fait. C'est le choix, la chance que j'ai eue de savoir, de sentir. Je ne suis pas très intelligente. Mais j'ai senti qu'il fallait faire un choix et s'y tenir. Et c'est ça. C'est ça, une de mes... ce que j'ai raconté. Alors, vous êtes, en plus de ce livre, on va y revenir dans un instant, oui. Au rire, qui est votre refuge, vous êtes actuellement sur les planches, à Bobino, on regarde ensemble un extrait de la pièce d'Olivier Lejeune, Tout bascule. J'ai des belles bombettes, hein. La première fois, ça surprend, mais avec le temps... C'est ça, l'inégalité de la tété. On s'habitue toujours. Au dernier, pour la roue. C'est le rond du héros. Le héros du rond. Yo. Vous savez de quoi j'ai très envie ? Moi, je sais ! C'est Mémé ! Je suis en enfer ! C'est un malade ! Il a fait l'Indochine, le Vietnam ! Il est en pleine crise de palu ! Ah, mais avec Boujard ! Si vous voulez dans mon sac, j'ai de quoi vous faire la rizière ! Ah, ils ont fumé un pétard ! Il y a un deuxième bébé qui se pointe ! Mais non, je déconne ! Plus la Bobino ! Claude, vous avez lu les mémoires de Marthe Mercadier, Le rire est mon refuge. Dévoré. Et c'est formidable, mon cher. Formidable. D'un écrivain, d'une romancière, alors là. Non, mais alors, moi, belle, j'ai bien aimé aussi, tu me l'as envoyé. Je suis ravie. Chérie, alors là. Écoute, mon chaton, et que je te dise, non seulement c'est passionnant tout ce que tu as fait, tout ce que tu as joué. Et encore une fois, jamais tu n'es intervenu pour obtenir un rôle. Jamais couché. Si, mais pas avec eux. Timmy. Moi, je connaissais déjà, en fait, pareil, grâce à Laurent, grâce à une pièce que j'avais vue, Le don d'Adèle, que j'avais adorée. Et ouais, bah, j'imaginais pas que vous ayez, que vous aviez eu cette vie-là, quoi. Je tombe des nues. C'est comme, on connaît en fin de compte, je m'aperçois au fur et à mesure des émissions que je connais personne. Oh, non, mais c'est, tu sais, elle fait tellement de trucs, mais comment ça se fait que je ne sois pas tombée en plus, je vous signale que vous connaissez vraiment personne, parce que dans la pièce que je vous ai donnée, c'est pas Marthe Mercadier qui jouait Adèle, c'était Monique Tarbès. Ah, bah non. C'est pas grave. Ah, mais non, mais de toute façon, le rôle était le même. Le rôle était le même, mais c'était pas elle. Mais oui, mais c'est pas grave. La pièce, j'ai pas de la pièce. C'est un classique. Tout le monde l'a joué. Oh, la gaffe. Non, bah écoute. J'étais en version moderne ce soir. C'était dans les années 60, elle peut changer aussi. C'était dans les années 60, avec le temps, on peut changer aussi. Bien sûr. J'ai pas pu la reconnaître quand elle avait 30 ans. Bah voyons. Non, mais que de beaucoup de comédiennes l'ont joué. Vous êtes pas sympa. Ouais, ça c'est vrai. Bon, bah voilà, ma pensée. Oui, Monique, la fille. Christophe à l'évêque. Oui, alors avant de parler du livre. J'ai enfin des nouvelles, souvenez-vous du manuscrit que j'avais confié à Françoise Mallet-Jory. Oh, c'est pas vrai. Si. Membre de l'Académie Goncourt, à qui vous avez confié un manuscrit dans cette émission. Voilà. Et qui vous avait promis une réponse. Elle m'a promis une réponse, et voilà, effectivement. Voilà. Visiblement, c'est un premier roman de... Elle a lu le livre assez rapidement, finalement, en entier. Et vu ses commentaires, elle fait quelques remarques, elle est...
très, très intéressé. Donc, l'affaire suit son cours. Je vous tiendrai au courant. Mais qu'est-ce que ce serait beau que, d'ici la fin de l'émission au mois de juin, on ait une bonne nouvelle. Très bien. Ça prouve que Mme Malé-Jory se tient ses promesses. Réponse positive. Est-ce qu'on peut revenir à notre invitée Jacqueline Maillan, maintenant? Oui. Tout à fait. Alors, Maria Pacôme, j'ai lu votre livre. Mais ce sont mes amis, alors oui. Je suis très fière. Moi, ce que j'ai préféré dans le livre, c'est tous les passages politiques. Et je me disais, comme vous étiez quand même très engagée en politique. Oui. Est-ce que vous ne regrettez pas, quand même, finalement, de ne pas vous être engagée un peu plus avant pour pouvoir influer sur le cours des choses? Ah non, ah non. Excusez-moi, de ma petite lorgnette, je m'étais déjà rendu compte qu'on ne peut rien, que les politiques ne peuvent rien et que les décideurs sont les financiers, sont des puissances qui nous échappent complètement, qui sont, comme dans les films de James Bond, au-dessus, dans des îles, sur des îles désertes ou je sais pas où, mais tout vient d'ailleurs. Les ordres viennent d'ailleurs, les actions sont supprimées ailleurs, tout ça se décide ailleurs, et comme j'étais pas ailleurs, j'ai dit au revoir et merci. Je ne serais pas un bon intervieweur si je ne vous interrogeais pas sur le passage qui concerne quelqu'un qu'on a reçu ici il y a maintenant 2-3 mois dans cette émission qui s'appelle Claude Jansac, avec qui vous avez joué le squat. 620 fois, une pièce de Jean-Marie Chauvet. Un bonheur. Et alors, dans votre bouquin, vous dites que c'était formidable avec elle. Mais oui. Et elle, quand elle est venue ici, mais alors, elle n'a jamais voulu vous citer, mais on vous avait reconnu. Madame Machin, si elle appelle Madame Machin. C'est vous, Madame Machin? C'est moi, c'est visiblement moi. Et alors, Madame Machin. Elle dit que vous étiez chiante, pénible, que ça a été dur de travailler avec vous, qu'elle ne vous supportait pas, que... Que j'étais au fond de la scène pendant qu'elle jouait pour déstabiliser alors, qu'est-ce qui se passe? Travail. Vous êtes disputé de funeste, il y a eu un problème? Pas du tout. Non, mais attendez, vous n'avez jamais eu le récit d'un couple qui revient de vacances, où la dame a passé des vacances idylliques, merveilleuses, parce qu'elle a été un peu draguée, elle a été un peu... elle a rencontré des gens charmants, et le mari, qui lui aime la pêche ou la montagne, ou tout ça, et qui n'était pas dans son contexte, a été en enfer, resté enfermé à lire, en disant, bon, encore combien de jours, comment ça... Vous n'avez jamais... Vous êtes la femme qui a été draguée, et elle, c'est celle qui... Ben exactement. Elle est jeune. Moi, je dis... Mais attendez. Mais attendez quand même, parce que... Non, mais... Vous êtes un petit peu focume... Non, pas du tout. Non. Parce que vous dites, oui, ça s'est très bien passé avec elle, mais quand même, il y a une photo de la pièce dans le bouquin. Moi, j'ai regardé. Elle n'avait pas voulu venir. Ah ben... Non, mais tout est comme je ça. Je dis, tiens, c'est marrant. Tout est comme ça. Il y a une photo du squat, vous êtes avec tous les comédiens. Mômes, avec les mômes. Sauf elle. Elle n'a pas voulu être devant le théâtre avec les mômes. Elle n'était pas comme elle voulait. Non, moi, je dis l'exquise Claude Jansac, ma copine de cours. J'arrivais à l'hôtel, elle est très frileuse, moi. Le bain glacé, elle voulait même pas m'en entendre parler. Bon, je faisais ajouter des radiateurs dans sa chambre. Je lui donnais la loge près de la scène pour qu'elle ait pas à marcher. Parce que comme elle a été une très bonne danseuse, elle était... Aujourd'hui, elle marche plus très bien. Eh ben, forcément, les danseuses. Non, attendez. Mais normalement, mais qui peut mettre sa jambe comme ça à l'équerre? Vous? Mais pas elle? Ah non! Ah bon? Ah non! Ah moi je suis pas folle! Ah non! Est-ce que vous vous êtes parlé depuis son passage ici sur ce plateau? Mais non, qu'est-ce qu'on a à se dire? Oui. Allez! Vous intéressez quand même toujours au cinéma. Isabelle Motreau va vous proposer quelques affiches de films qui sortent demain. À vous de choisir parmi les trois qu'on vous propose. On commence par un film avec John Travolta et Uma Thurman. Belle affiche quand même. Be Cool. Alors, on réagit sur l'affiche. Ah, formidable l'affiche. Oui, vous trouvez? Ah oui. Drôle. Attirante, marrante, proposant, plein de choses. Ah, vous aimez bien l'affiche. Stevie? Moi aussi, ça me donne envie, ça me fait un peu penser à je sais plus. C'est pas Monique Tardès, là, au deuxième rang? Elsa Fayer. Moi aussi, j'adore. Ils sont tous très différents, ils se retrouvent tous mêlés dans la même histoire. J'ai envie de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'ils vont y faire. À l'évêque. Oh, me demande mon avis. Eh bien, oui, effectivement, cette affiche est attirante. D'ailleurs, je suis très prêt.
Isabelle Motrosa vaut quoi? Be cool. Ah, c'est formidable. C'est formidable. C'est le voyage sensuel de la semaine. Merci, Christophe. On s'embarque là-dedans. Et alors, c'est sensuel, c'est glamour, c'est drôle. Il y a beaucoup de musique. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça raconte la suite d'un film qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Get Shorty, où Chili Palmer, qui est joué par John Travolta, qui est un prêteur sur gage de la mafia, plonge dans le cinéma. Et alors là, il change d'avis, il laisse un peu tomber le cinéma et il plonge dans l'univers de la musique. Il va produire un disque. Alors lui prétend que quand on a fait prêteur sur gage dans la mafia, on peut travailler dans le showbiz, et il prouve que oui. C'est bien, c'est réussi. C'est absolument drôle, mais alors vraiment, passe un bon moment. Ah oui. On passe à L'œil de l'autre avec Julie Depardieu, Dominique Raymond, un film de John Voff. Réaction sur l'affiche, Stevie. Moi, ça me donne envie. J'aime bien cette comédienne. Ah oui? Ah oui. Très bonne comédienne, je trouve, personnellement. À l'évêque? Moi, j'aime bien les petites affiches parce que j'ai pas à me déplacer. Stevie? J'ai déjà parlé. Mais encore, on s'en lasse pas. Vandel? Ça a l'air un petit peu minimaliste. Si j'étais méchant, je dirais que je vais attendre que ça passe sur Arte. Vous? J'aime pas le film français minimaliste, même si j'aime beaucoup Julie Depardieu. Là, il n'y a pas assez d'éléments pour me faire sortir de chez moi. Ça vaut quoi, Isabelle? Ben, c'est un petit film très sympathique, L'œil de l'autre. Ça raconte un truc déjà. C'est ce qu'il disait. Voilà, c'est le petit film très sympathique. Oui, mais alors déjà, on apprend. Est-ce que tu connais l'Observatoire photographique du paysage, toi qui connais tout, Vandel? Non, je connais pas tout, mais je sais qu'il y a John Wolf. Pas tout. Bon, alors, l'Observatoire photographique du paysage, parce que c'était ça la question quand même, c'est un organisme qui a constitué un protocole. Il y a 16 photographes chaque année qui photographient 40 paysages. Et dans le film, cette petite Julie Depardieu remplace un photographe qui a disparu. Elle prend sa place, elle va faire, elle, ses 40 photos. Et au fur et à mesure des 40 photos, en fait, elle va reconstituer l'histoire du mec. D'où le titre, L'œil de l'autre. Et voilà pourquoi, comprendre pourquoi il a disparu. Voilà. Million Dollar Baby. Film de Clint Eastwood. De nombreux Oscars ont récompensé ce film. Un film sur la boxe féminine, on en parle beaucoup. Je vais la tenir tout seul, je peux le faire. Avec Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, des femmes qui boxent, qui combattent. Claude Sarraute. Ah oui, moi j'y allais de toute façon. L'affiche vous plaît? L'affiche est très bien. Sauf qu'on voit pas assez Clint Eastwood, c'est mon idole. C'est surtout Morgan Freeman qu'on voit pas bien. Je vais faire défiler. Alors il y a les défilés de mode et il y a les défilés d'affiches maintenant. Stevie. Évidemment, on voit moins le mannequin. Hein. Bon. Stevie. Eh ben moi, je sais pas, ça me dit pas. J'aime pas ce sport-là. Clint Eastwood, ouais, sans plus. Et puis Morgan Freeman, par contre, si je dois y aller, c'est pour lui, ouais. Marthe. D'abord, Clint, allez-vous d'abord besoin de nous? Et puis, je suis fascinée parce que la partenaire féminine a le dos de Marlon Brando. Ah bon? C'est un tramway mauvais désir. C'est vrai. C'est l'affiche d'un tramway mauvais désir. Quelqu'un qui a compris la séquence de cette émission, qui analyse bien et qui parle bien des affiches, contrairement aux six chroniqueurs qui sont là depuis septembre. Bravo, Marthe. Et attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Isabelle? Oui, alors, c'est un chef-d'œuvre, hein, on dit pas ça souvent, mais là, c'est vrai. Alors, Clint Eastwood... Il y a longtemps que j'avais envie de le faire, j'ai pas pu résister. Alors là, il signe là un grand mélo. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on sait que ce vieil entraîneur sur leur tour, quand il voit arriver cette jeune femme de 31 ans, qui a quand même 31 ans, ce qui est un peu vieux pour la boxe, qui le supplie de la faire démarrer sur le ring, on sait qu'il va, par la force des choses, il va dire non, puis après il va céder, puis il va dire oui, on sait tout ça. Après, elle va réussir. Toute la première partie, voilà, on la connaît, et ça marche quand même, parce qu'il filme les gens, Clint Eastwood, il a toujours fait ça très bien, mais alors là, vraiment, plus ça va, plus son talent s'affine. Et c'est surtout une histoire qui devient surprenante dans la deuxième partie. Là, je ne vous le raconte pas, parce que là, pour le coup, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est absolument magnifique, formidable. Attention, on chef-d'œuvre. Vibre du début à la fin. Alors, votre coup de cœur. Moi, j'hésite, parce qu'entre Be Cool et Million Dollar Baby, quand même, c'est deux films qui sont réussis, mais dans des genres différents. Peut-être le Clint Eastwood, quand même. Peut-être le Clint Eastwood, quand même, le chef-d'œuvre. Et puis Be Cool, si on a envie de s'amuser, de se distraire. C'est l'heure du kick à déconner aussi. Ah.
Je vous propose ce soir dans notre Kick à déconner quelqu'un qui a déjà 120 points, c'est Jean Tiberi, puisqu'hier, il a été mis en examen dans l'histoire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. Il a déclaré « Ces poursuites me stupéfient, car il n'y a dans le dossier aucun commencement de preuve matérielle à mon égard. » Moi, je le crois parce que c'est un homme sincère, Tibet. Ouais, 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 ouais. 0, 10, 20 ou 30 points. Ouais, je dirais cette petite phrase issue du film de Les Nuls, « Laissons la police faire son travail. » Vandel. Moi, quand on dit sincère, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Tibéri. 30 points. Oui, moi, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il n'aura jamais assez de points, à mon avis, toute 30 façon. Points. Moi, je mets 30 points parce que je les trouve complètement à la masse. Aussi bien la fin que... Claude. 30 points, si j'avais pu en mettre 60 ou 90, je l'aurais fait. Et il a quand même dit qu'il allait se présenter à la mairie de Paris. Eh oui, 30 points. À l'évêque. 30 points. Toute personne présumée innocente n'est pas coupable avant d'avoir été condamnée pour son innocence ou sa culpabilité. Sauf... OK. Sauf Tibéri. Marthe Mercadier. 20 points. Ah. Une indulgence, quand même. Non, non. Mais je trouve qu'il n'est pas seul. Et qu'on ne parle jamais des autres. Il est un peu entre la tête de Turc et une décision collective de l'enfoncer. Voilà, un peu ce que je ressens. Combien moi, au total pour Jean Tiberi, voilà. 200, ouh là là. Ah, il passe dans le top 10, Jeannot. Fabien Barthez, maintenant. Ah. Le Gaulle, gardien de but de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France de foot. Peut-être plus pour très longtemps, puisqu'il risque d'être suspendu à cause des crachats envoyés sur un arbitre lors d'un match amical. Alors, pour, c'est combien... Alors, comment ça fonctionne? J'ai pas bien compris. Si vous êtes pas contente qu'il ait craché, vous lui mettez 30 points. Si non, mais moi, je suis contente. Qu'il ait craché? Oui. Alors, 0 points. Ah, bon. Pourquoi vous êtes contente qu'il ait craché? Parce que... Attention. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. L'arbitre, c'est pas évident. Mais là, comme il y a des experts, hein, comme j'admire infiniment Barthez et je n'oublie pas ce que nous lui devons... 0 points. Oui, voilà. 0 points. Elsa. Alors moi, je change. Oh. Je voulais mettre 30, mais je suis comme Marc, j'aime bien Barthez. On va laisser la police faire son travail. 0 points. Vandel. Non, non, moi, j'aime beaucoup Marc, j'aime beaucoup Barthez, mais quand même, c'est à la fois bête, xénophobe, raciste, imbécile. 20 points, malheureusement. Isabelle Motro. Moi, tout pareil que Philippe. Stevie. Oui. Moi, 30 points, c'est scandaleux. Attendez, vous confondez pas Fabien Barthez et Monique Tarbez? Je suis ravie qu'on parle d'elle. Claude, ça que les autres. 30 points, allez mec. Ben, 0, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, en foot, il y a quand même une injustice. On a les images. Donc c'est dur de se défendre. En politique, pour Tibéri, on n'a pas les images et il va encore être blanchi, tu comprends. 0 points au total pour Fabien Barthez, ça fait 110. Le président Bush, maintenant, parce qu'il a fait personnellement voter en pleine nuit une loi dans le but d'empêcher l'euthanasie d'une femme de 41 ans qui est dans le coma depuis 15 ans. Son mari, à cette femme, réclame qu'on la débranche. Seulement, la famille de cette femme, eux, sont des chrétiens très intégristes qui ne veulent absolument pas qu'on la débranche. La loi, normalement, permettait que l'hôpital la débranche. Ils l'ont d'ailleurs débranché, mais lui, il a fait... C'est la première fois même qu'il quitte son ranch du Texas pour revenir à Washington et faire voter une loi, même pendant les plus grands moments de la guerre en Irak. Il ne l'a jamais fait. Là, il s'est relevé la nuit pour aller faire voter cette loi au Congrès et qu'on puisse rebrancher cette femme, contrairement à la vie du mari. Qu'est-ce que vous en pensez? 0, 10, 20 ou 30 points? On est perdu. On n'arrive pas à savoir si on est pour ou si on est contre. Enfin, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Alors moi, j'ai une solution, le pile ou face. Vandel. Non, non, moi, je suis très partagé parce qu'il y a des arguments très intelligents des deux côtés. L'Amérique se divise avec ça. Et en même temps, comme il a juste demandé à ce qu'on la maintienne, ça n'empêchera pas plus tard de la débrancher, si on fait face, par exemple. Isabelle Motro. Moi, 30 parce que je suis contre les crétins intégristes. Stevie. 15 ans dans le coma. C'est trop long, Non, je suis pas d'accord. Ah, 15 ans, Claude. Tu l'as vu à la télé, elle était assise, elle souriait. C'était pas la femme dans le coma depuis 15 ans, tu sais, en posture de fœtus, maigre et tout. Rien du tout. C'est une jeune femme souriante, assise dans un fauteuil. Il faut la rebrancher, alors. Oh, attends, mais le mari n'a rien à voir là-dedans. Total, 10 points pour Claude et vous à l'évêque. Oui, 30 points, il faut débrancher George Bush. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle.
Marthe Mercadier. Ah, c'est drôle. Faut voter, Marthe. Oui, oui, oui. Je voudrais savoir d'abord qui hérite de cette femme. Ah, qui hérite de cette femme? Éventuellement. En tout cas, c'est pas George Bush, manifestement, qui hérite. Non, non, il hérite en tout cas de 30 points. Hein. Oui, se relever. Il ferait mieux de ramener les enfants, les jeunes qui meurent en Irak, que de se relever pour ça. Enfin, 30 points total pour Bush. 150 points. Tout bascule, c'est la pièce à l'affiche de Bobino actuellement dans laquelle joue Marthe Mercadier qui publie en plus aux éditions numéro 1 Le rire est mon refuge. C'était notre invité ce soir. Merci Marthe. Merci Laurent. Bye bye. À demain.